Cette semaine, nous posons notre caméra sur les hauteurs de Nancy dans une maison réputée, la Gargotte. C'est à Laxou, au cœur du village, que Jean-François Rubaud, ancien éducateur spécialisé, s'y est installé il y a 15 ans. Ce passionné de cuisine a toujours voulu en faire son métier. Il change de vie dans les années 2000 et s'installe rapidement à son compte. Mais il garde toujours son amour pour la pédagogie et son envie de partager son savoir. La preuve avec toute son équipe. Aujourd'hui, nous réaliserons l'entrée à ses côtés. Un pâté en croûte avec un cœur foie gras. Pour le plat, nous travaillerons avec Benjamin, son bras droit. Et c'est Gaël, le chef pâtissier, qui nous a prévu des petites douceurs autour de la courge. On a pas mal de travail, alors direction les fourneaux. T'es parti sur quoi en entrée? On va faire un pâté en croûte. Super. De lapin aujourd'hui et foie gras. Mmh. Hein, voilà. Donc, tu étais déjà en train de commencer à préparer le lapin? Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs préparations. Il y a le rable. Oui. Hein, qu'on va, là, j'en ai préparé d'avance, mais il y a le rable qu'on va désosser. Oui. Et qu'on va cuire en ballotine comme ça. D'accord. Hein, d'accord. Et la ballotine, elle va se retrouver donc dans le... Et la ballotine va se retrouver entière dans le pâté. D'accord. Hein, ah, donc on aura ce beau rond dans le pâté. Voilà, tout à fait. Tu mets exclusivement lapin et foie gras. Ah là, il n'y a que lapin et foie gras, il n'y a pas d'autres ingrédients... D'autres viandes. D'autres viandes, voilà. Le pâté en croûte, c'est quelque chose d'assez complexe, difficile, long. J'ai l'impression que ça ne se fait pas tant que ça dans les cuisines. C'est un peu long. C'est une préparation. Le pâté en croûte, ce sont des recettes un peu anciennes. Ah bah ouais. Hein, aussi. Mmh. C'est des recettes de traiteurs aussi. Hein. Oui, c'est beaucoup ça. De traiteurs. Donc en restauration, on ne voit pas tant que ça. Pas trop. Donc là, tu vas le mettre en ballotine. Voilà. Et tu vas faire déjà une cuisson. Alors, on fait une pré-cuisson. D'accord. Hein. J'ai vu que tu avais déjà poilé ton foie gras. Oui. Donc, ça veut dire que toute ta viande va déjà être travaillée en amont. Elle va être travaillée. Le foie gras, donc, tu vois, j'ai pris des escalopes que j'ai... coupées. Je les ai prélevées sur un lobe entier. Je les ai escalopées et je les ai congelées. Oui. Hein, parce que je ne voulais pas les cuire de trop. Hein, je voulais juste les marquer. C'est vraiment une pré-cuisson. Tu voulais une légère coloration. Une coloration, voilà. Et pourquoi tu t'es décidé à faire cette recette-là pour le restaurant? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Écoute, j'adore les terrines, moi. C'est j'adore vrai. Tout ce qui est terrine, pâté. Et puis, je trouve qu'on n'en a pas souvent. Non. Donc, pour moi, ça fait un peu plat de... un peu tradit de fête, quoi. Ouais, c'est hein, vrai. On démarre un peu sur les... Voilà. Donc, ça me paraissait sympa de... De ressortir un peu. Et puis bon, cette préparation-là est un petit peu technique. Ça a un beau visuel. Mmh. Donc, c'est intéressant de le travailler comme ça. Alors, voilà les ballotines, hein, Valentine. Et, donc, cuisson. Nous allons les cuire à 62 degrés. D'accord. Hein, dans un thermoplongeur. Voilà, ou si on n'a pas de thermoplongeur, dans une casserole. D'eau. Une sonde. Avec une sonde à 62 degrés. D'accord. Environ 15-20 minutes. D'accord. Quoi, tranquillement. D'accord. Hein, voilà. Donc ça, tu vas les plonger en cuisson, mais ça, on va les plonger. On va s'occuper de la farce. D'accord. Hein, donc de la ça farce marche. De lapin. Tu tournes? Bah oui. Vas-y. Allez. Donc, ça, c'est de force. Ouais. Bah oui, tu rigoles quoi. Donc là, tu prépares toute la viande pour ta farce. Voilà. Donc tu mets que du lapin. Ah, il n'y a que ça. D'accord. Alors bien sûr, tu mets les abats. Oui. Hein, quand tu as des petits rognons, tout ça, c'est... Pourquoi? Bon, c'est mieux. Ça donne du goût. Ça donne du goût, tout ça. D'accord. Hein. Et ça, c'est une recette que tu as trouvée où? Enfin, que tu as comment? Parce que on est vraiment dans une recette assez classique. C'est des recettes tradies. Ça, c'est des recettes tradies de pâté, hein, que tu trouves facilement dans des anciens bouquins. Non, mais tu aurais pu me dire, c'est ma grand-mère, non, ami. Non, non. Par contre, nous, en Italie, quand ma grand-mère cuisinait, elle ne faisait pas beaucoup de terrine, elle faisait beaucoup de saucisses. D'accord. Beaucoup de saucisses et de saucissons. Avec le cochon, hein, énormément. Mais le lapin comme ça, en recette pure, ça se faisait pas beaucoup chez D'accord. nous. On le cuisinait, mais pas comme différemment. Ça. D'accord. Hein. Donc là, on ajoute... Échalotes. Ouais, les échalotes, D'accord. on va les mettre avec. D'accord. Hein, comme ça, on va les passer direct. Voilà. J'ai Vas-y. Peur. Non, non, tu peux y aller. Non, mais il y a ta main, donc c'est pour ça. Non, mais... Vas-y. Attends. Voilà. Ah, c'est bon, ça passe. Ça passe. Ouais, c'est donc bon. J'ai mis trois échalotes. D'accord, hein, trois échalotes. Pour un lapin. Là, hein, on va faire une grosse... Une grosse farce. Une grosse farce, oui. Voilà. Mais on travaille pour combien de personnes, là, d'ailleurs?
Un gros pâté comme ça, oh, tu fais à peu près une vingtaine de parts. Hein. D'accord. Une vingtaine de parts. Donc là, on va mettre un peu de persil aussi. D'accord. Également. Tac. Ah, mais tu vraiment, tu mets tout dans ton. Persil du jardin. Oui. Hein. Mmh. Que je vais aller chercher. Persil plat. Voilà. D'accord. Voilà. Et on va terminer par notre viande. D'accord. Qui va pousser. Oui, le... d'accord. Et pour nettoyer la machine, on met toujours un peu de pain. D'accord. Le pain, ça aide à nettoyer, à pousser. Mais tu vas le retrouver. Oui, ben dans la du pain. Gênant, voilà. Oui. Tu... Okay. Non. D'accord. Je connaissais pas l'astuce. L'astuce, c'est pour pousser toute la viande et tous les épices là. D'accord. Hein, pour vraiment avoir aucune perte. Aucune perte. Voilà. Tu vois? Voilà. Super. On va assaisonner. Le poivre, le sel, c'est 12 grammes au kilo. D'accord. D'accord. Et le poivre, c'est 4. Mmh. Hein. Ah, t'as une balance dans la main, toi. Dans la main. C'est 12 grammes. C'est à peu près 12 grammes, alors. Hein. Non, mais je le dis... Oui, comme ça, on le sait. Moi, je sais à peu près... D'accord. Oui, toi, tu le fais quand même à force. Je connais le à peu visuel. Près les dosages. Mmh. Ensuite... Donc. Dis-moi. Un peu de base armagnac. D'accord. Hein, pour parfumer. Là, c'est au feeling. Ouais, c'est à peu près 12 centilitres. D'accord. Plus 6 affinités. Et je mets un peu de crème pour le moelleux. D'accord. Voilà. Mmh. Et 3 œufs. Ah, tu mets 3 œufs, d'accord. Mais pour le liant. D'accord. Donc là, le pâté, ensuite, on n'a plus qu'à mélanger cette farce-là, faire le montage. Absolument. Cuisson. Voilà. Pendant combien de temps? La cuisson, nous, on ne compte pas en temps, on compte en température. D'accord. De cuisson, donc c'est à 63 degrés à cœur. D'accord, donc là, hein? Je sonde, on 63 va à cœur. 63 à cœur. Mmh. Par contre, tu ne m'as pas dit pour la température du four. Alors, 63 à cœur, mais 63 à cœur à 170 degrés. Hein, d'accord. Il faut que la pâte croûte hein, quand même. Et donc la pâte, elle est là. Oui. C'est une pâte quoi? C'est une pâte brisée? C'est une pâte à pâté. C'est quoi une pâte à pâté? Une pâte à pâté, c'est une pâte à base de beurre. D'accord. Hein, d'accord. T'as beaucoup de beurre. Hein. T'as 450 grammes de beurre pour 850 grammes de farine mélangée. En fait, d'accord. On fait 500 grammes de farine et 350 grammes de maïzena. Voilà. Bon, de toute façon, tu me donneras je donnerai les proportions parce que c'est une pâte un peu spéciale qui va cuire sans sécher. Hein, d'accord. Voilà. I don't mind the flowers and the trees. I don't mind the birds and I don't mind the bees. I don't mind the lovers and the love they make. For I'm leaving here today. Do I know where I'm going to? No. Seen the high road and the low. I found no satisfaction. I have seen the mountains sweep down to the sea. I heard the music, it's not moving me. And I will find no peace I fear. No peace I fear. As far as I can see, she won't have no truck with me. Mm-hmm. On y va, on goûte? Allez. Allez. C'est parti. Oh, puis t'as le foie gras là, ça a l'air trop bon. Je te laisse le foie gras. Ah, oh, c'est sympa. Puis c'est bien parce que tu vois tout de suite que la pâte n'est pas sèche, tu vois? Tout à fait. C'est bon? Ah ouais. C'est trop bon, j'adore. Waouh. Wow. C'est un des meilleurs pâtés que j'ai jamais mangé, hein, on va le dire. On va être honnête. Oh, c'est excellent.
c'est bon. Alors, bah, forcément, avec la petite touche de foie gras, tu as une vraie touche en plus. Tu as de la mâche, tu as des petits bouts de mori. C'est excellent. Belle entrée. Il y a du niveau. Pour le plat, donc je vais le faire avec Benjamin. Oui. Il a prévu quoi? Il est parti sur un poisson? Alors, il est parti sur un cendre. Super. L'eau de cendre rôti sur la peau avec une déclinaison de courge.